Hey Messi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, surtout pour le chapitre 3 de Fly Forever Loving You. Fly Forever Loving You. Pas fini, genre on avait fini sur la dispute entre Alex et Rachel, et là on est direct chez nous. D'accord, ça me dérange pas. Saywa, Saywa, ah salut maman, tu t'es endormie habillée alors? Tu es rentrée un peu tard et fatiguée, je comprends. J'espère que tu n'en as pas cours ce matin, sinon tu es en retard. Je n'ai même pas remarqué que je m'étais endormie hier soir. Non, ça va, je commence à 10h le samedi. Ouch, il faut que ça. Justement, tu devrais te dépêcher parce qu'il est 9h30. Ah, vite, merci. Je me suis lavée et changée en vitesse. Puis, je me suis dépêchée d'aller au lycée. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Ce n'est pas qu'une fois en route que je me suis souvenue que la récré durait jusqu'à 10h15. Je suis récupérable. Salut Saywa, pourquoi là les cheveux attachés? Ah, parce que je vais acheter les boucles d'oreilles, c'est ça? Non, le collier. Salut Rachel, ah, tu portes mon cadeau? C'était le collier. Oui, j'adore ce collier, encore merci. Ça me fait bizarre de lui parler comme si rien n'était, j'allais demander alors, toujours larguée comme une malpropre. Non. Bon, c'est pas drôle, elle a beaucoup pleuré hier, j'ai essayé de la conseiller un maximum, mais je lui ai conseillé de totalement ignorer Alex. Au final, elle a vite séché ses larmes et la soirée s'est terminée dans la joie et la bonne humeur. Oh, c'est rien, tu sais, c'était une très chouette soirée malgré tout. C'est vrai, c'est bizarre, Evan qui reste devant l'entrée du lycée qui nous a trompés. C'est vrai, tiens. Oh, quoi? Salut Evan, salut Clem, qu'est-ce que tu fais là? Salut les filles. Clem. Je suis venue voir comment vous en sortez sans moi. Ça va, Rach? Putain, mais... Pourquoi dans les visual novels, ils ont toujours des surnoms? C'est leur diminutif. Non? Très bien, merci. Enfin, si on veut, et toi? On ne peut mieux, mon lycée est 100 fois plus grand que le vôtre, alors ça me fait bizarre. Ça va, je te présente Clément. Tu en as déjà peut-être entendu parler, c'était notre ami du collège. Écoute, je me souvenais même plus ce que j'avais acheté à Rachel, puis je me souvenais pas. Enfin, je suis toujours votre amie, j'espère. Enchantée. Et c'est aussi le frère de Béatrice. C'est vrai qu'il y a une ressemblance. Tu la connais aussi, il me semble. Elle m'a déjà parlé de toi, tu es arrivée cette semaine, non? Oui, c'est ça. Tu es bien plus jolie que je m'imaginais. Oh, là, oh, oh putain. Un lourd. Je dis pas qu'elle m'a dit que t'étais affreuse, loin de loi, mais je suis loin de là, oh! Mais je suis agréablement surpris. Je te retourne le compliment, non, merci. Vive la super facilité. Je sais pas, j'ai envie de dire ça! Parce qu'il est tellement lourd déjà, genre, regarde la tête d'Evan et Rachel. Ils ont envie de le tuer! Je sais pas. C'est quoi? Tu veux dire ça? Tu es clairement en train de dire que tu avais des préjugés sur quelqu'un que tu ne connais pas basé sur son apparence. Sans oublier le fait que tu sois agréablement surpris que je sois moins laide que ce qu'on t'avait vaguement décrit. Très sympa, merci. Mais merci pour ta tentative de compliment. J'aime bien les filles comme toi, c'est marrant. Je vous préviens, lui je l'aime pas. Ne pense pas que je vais te laisser me parler de préjugés alors que c'est exactement ce que tu fais. L'hôpital, la charité, le beurre et la crémière, tout ça, je prends un malin plaisir à te faire tomber dans mes bras. Mais c'est toi qui as un préjugé ambulant, tu veux que je fasse quoi? Et on verra si tu tiendras le même discours. Oui, oui, allez, salut.
Enfin bon, ça partait d'une bonne intention et c'était sincère. J'adore qu'on me tienne tête. Mais putain, mais ta gueule. Ok, à très vite, j'espère. Non, casse-toi. Ça doit lui faire bizarre de se faire remettre à sa place. Il a pas la vie sud. Ouais. On se voit en cours. T'as vu comment Evan a réagi? Il avait l'air jaloux, non? C'est vrai que... Toute la semaine suivante, pas grand-chose ne s'est passé d'intéressant. Oh! 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 Pardon. J'ai passé plus ou moins toute la semaine avec Rachel, Evan et Emily. Ah, ça y est, Emily, elle a fini de faire sa grosse conne. J'en ai aussi appris un peu plus sur le lycée, les élèves, les professeurs, etc. J'ai aussi eu mes premiers contrôles et je m'en suis pas trop mal sortie, enfin je crois. Et voilà une nouvelle semaine qui commence. La CPE a demandé à ce que je passe dans son bureau avant le début des cours, je ne sais pas encore pourquoi. Tiens, cette fille est dans ma classe, elle s'appelle Vanny. Je vais lui demander si elle sait où est ce fameux bureau de la CPE. Salut, tu sais où se trouve le bureau de la CPE par hasard? Désolé, on est lundi, j'ai pas écouté ta question. Tu sais où est le bureau de la CPE? On dirait qu'elle s'est endormie. D'accord! Bon, je vais voir à côté du secrétariat, ça me paraît logique, le bureau s'y trouve. Bingo, j'ai frappé à la porte. Entrez! En retard! Oh, je suis confuse, je vous ai prise pour Vanny. Je vous prie de m'excuser. Vous êtes Mademoiselle Sky, n'est-ce pas? Je me présente, je suis Madame Basseur. Votre conseillère principale d'éducation, ok? Ah, parce... J'espère que je ne vous ai pas trop fait peur. Entrez. Je ne m'attendais pas à vous voir aussitôt. Alors, si je vous ai fait venir, c'est pour faire le point avec vous sur vos premiers jours de cours. Bon, votre dossier scolaire n'a toujours pas été retrouvé. Mais la plupart de vos professeurs, vous avez l'air de bien... Là, vous avez l'air bien intrigué au sujet, oui. Qui plus est, oui. Est-ce que vous vous sentez intégré au lycée HB? Oui. Oui, c'est vrai que c'est toujours difficile de se faire un changement, mais je me débrouille. Je me sens déjà un peu comme chez moi ici. C'est très bien, vous me rendez plus facile la tâche. Bon, c'est pas comment ça? J'ai besoin de vous. Nous avons une réunion ce matin à propos du projet que les élèves vont mener cette année pour l'année prochaine. Les élèves du conseil du CBL ont essayé de mettre en place... Pour l'année prochaine, des ateliers ou comme ils les appellent, des clubs. Bah, ça s'appelle comme ça, frère. Il s'agirait de s'inscrire sur l'année à un club, comme un club de musique, de lecture, de dessin. Je vais aller en dessin, c'est parti. Ou de danse. Les deux? On peut aller dans le deux. Par exemple, ce serait sur les heures où les élèves n'ont pas cours, encadrés par des intervenants venant du... Ah, venant du lycée et venant hors du lycée, ok, c'est bon. J'ai galéré. Et ils pourront être à l'origine d'autres projets. C'est là que vous entrez en jeu. On aurait besoin d'avoir 10 élèves au moins par club, qui s'engagent à rejoindre les clubs l'année prochaine. Chaque club aura un créneau par semaine. Ils n'auront jamais lieu en même temps. Alors chaque élève est libre de rejoindre autant de clubs qu'il souhaite que de le rejoindre. Tant qu'ils s'y tiennent. Bien sûr, les indécis pourront toujours s'inscrire en début d'année prochaine, en même temps que les nouveaux arrivants. Vos camarades Rachel et Evan ont déjà fait une enquête pour savoir quel club pourra intéresser les élèves. C'est aussi eux qui m'ont suggéré votre nom. Vous aurez juste à récolter 10 signatures par club, ceux de musique, ceux de lecture, de dessin et de danse avant la récréation de 10h, et me les apporter. Vos camarades du CVL et moi serons en réunion pour discuter du projet et d'autres. Et on aura besoin de signatures pour 10 heures. Je peux compter sur vous? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Pas de soucis. Je suis une pub ambulante. Voilà. Voilà. C'est cool. Ouais. Pourquoi moi? Merci beaucoup, vous m'enlevez un poids. Je compte sur vous à 10h dans mon bureau compris, donc juste avant la récréation. Ta récréation, oui, bien sûr. Vos absences seront bien évidemment justifiées au même titre que vos camarades du CVL qui assisteront à la réunion. Il y a déjà quelques noms sur la liste. Evan et Rachel se sont inscrits à tous les clubs, ils s'y tiennent à leur projet. À faire de même. Ils ont quand même du courage de s'engager à participer à autant de... Je vais les soutenir.
et de 3, plus que certaines personnes par club, et ça devrait être faisable. Je devrais bien trouver des gens qui veulent s'inscrire au club de lecture ici. J'ai demandé à plusieurs personnes, et personne n'a l'air partant. Il faut croire que la lecture supplémentaire, ça ne dit à personne. En même temps, la plupart des gens qui seront ici font leur devoir. Ils ne sont pas ici par amour de la lecture. Tiens, une fille avec un livre, c'est peut-être ma chance. Je la connais, elle est à la sœur de Rachel et dans sa classe d'espagnol. Son nom est Sarah, je crois. Salut, tu vas bien? Salut, Sayoua, c'est ça, ça va et toi? Bien, merci, je suis venue te voir parce que peut-être que j'ai vu que tu allais vers un livre. Je me dis que tu serais peut-être intéressée par un club de lecture, il aurait lieu. Oui, Rachel m'en a parlé, je suis partante. Elle m'a pris ma feuille et elle a inscrit son nom. Elle s'appelle Sarah, sans H. J'y étais presque. Je me suis permise d'y inscrire deux amies à moi. Elles savent que c'est un engagement et elles s'y tiendront. On avait discuté avec Rach, donc ne t'inquiète pas. Pas de soucis, merci beaucoup. En regardant dans les papiers, je suis tombée sur une note qu'Evan a dit d'aller voir en cours de sport pour la danse. Les élèves sont en condition. Ils pensent qu'il y aura plus de monde qui acceptera de rejoindre les clubs, c'est pas bête. Je suis arrivée au gymnase et j'ai expliqué la situation aux deux profs de sport présents et qui m'ont laissé faire le tour du gymnase librement. Oh! Bonjour vous deux. Hey! Salut! Qu'est-ce que tu fais là? Je leur ai brièvement expliqué la situation. Ils avaient l'air au courant du club de musique mais ne savent pas s'ils allaient se concrétiser. Je sais pas lire. Bon, moi je me mets en danse et en musique. Et Josh, je t'ai mis en musique et en dessin. Yes. J'ai pas le droit de me donner mon avis avant. Allez, je sais très bien que tu te serais simplement inscrit sur une musique. Alors je sais que tu veux ce de dessin aussi. On ne discute pas. Elle m'a rendu les feuilles. Elle a aussi demandé à des élèves de sa classe s'ils voulaient bien en rejoindre certains. Comme elle les connaît personnellement, elle a su se montrer convaincante et j'ai beaucoup avancé grâce à elle. Merci beaucoup, vous m'avez beaucoup aidé. Pas de soucis. Remercie Béatrice, je suis vraiment pour rien. J'ai réussi à équilibrer un peu les listes. Et j'ai bien fait d'inscrire mon nom tout à l'heure. On est à 6 en danse, 7 par groupe pour tout le reste. Je vais me rediriger vers le lycée. Mais c'est Juliette. What the fuck? Je faisais au gymnase. C'est bien, elle, lui, elle. Elle a quand même assez changé en une semaine. Salut! Je leur ai expliqué la situation et elles se sont montrées volontaires pour le club de danse. Tu ne t'inscris pas en dessin, Juliette? J'hésite encore un peu. Inscris-toi, tu n'as aucune raison d'hésiter. C'est vrai que j'aurais bien besoin que quelqu'un s'inscrit. Tu dessines? Dans ce cas, inscris-toi. Je vais dire ça. Oui, tu as raison. Je vais m'inscrire alors. Merci beaucoup. Comme la récréation de 10h approche, il y a un attroupement devant la grille du lycée. J'en ai profité pour récolter les dernières signatures qui m'ont manqué. Merci, grâce à toi, c'est certain que le club de dessin aura lieu. Pas de quoi. J'ai commencé à me diriger vers l'intérieur du lycée. Attends. C'est toi qui fais les inscriptions pour le club de danse. Un jour où j'arrive à lire. Je vous promets. Je voudrais m'inscrire. Sainte-Marie-Jeanine. Qu'est-ce que tu fais, Clara? J'allais nous inscrire au club de danse pour l'année prochaine, tu sais, quand on en avait parlé. Je t'ai dit qu'on s'inscrirait l'année prochaine. Bah, pourquoi on s'inscrirait pas maintenant? Ça changerait en finale. Ça change que c'est marrant de voir Sayewa truc machin galérer à trouver 10 malheureuses signatures par club. Comment tu sais ça? T'imagines la tête de la CPE si elle n'arrive pas à faire ce qu'elle lui a demandé? Elle a fait comme si j'étais pas là. Bien sûr, c'est pas méchant, c'est normal de bijouter les nouvelles. Ah, c'est toi qui vois alors. Ciao, bidule. Zen, calme, sereine.
Je suis restée quasiment muette tout le long tellement la scène était invraisemblable et très franchement pitoyable. En y repensant, j'aurais voulu lui dire de toute façon, je n'avais pas besoin de sa signature, mais bon, si ça l'amuse. Je me suis donc dirigée vers le bureau de la CPE. Je vous remercie, tout porte à croire que ce sont... Je vais recommencer cette phrase. Je vous remercie. Tout porte à croire que ces clubs auront effectivement lieu. Alors, vous me rendez un grand service. À une prochaine. Je retourne à ma réunion. Passez une bonne journée. Vos absences ont déjà été justifiées. Merci. C'était du sport. Je devrais aller me balader dans le lycée avant, pendant la récré. Rachel est encore en réunion avec Evan et le CVL d'abord. Personne que je connaisse à l'horizon... Encore toi ? Décidément, t'es un vrai boulet, ma parole. J'ai pas compris, là. Tu fais quoi, Edouard ? C'est qui, Edouard ? Ah non, c'est pas possible, c'est... C'est une malédiction, te croiser 15 fois par jour, tu me suis. Elle a pris mon parapluie qui était par terre avec mes affaires. Ah bah tiens, merci du cadeau, ils ont prévu de la pluie et j'ai oublié mon parapluie avant de partir. Rends-moi ça, c'est pas drôle. Oh, mais ça va, je te l'emprunte juste pour aujourd'hui, ça va pas te tuer. Puis c'est un cadeau que je te fais. Il est vraiment moche. Et je te fais l'honneur de m'afficher avec. Mais je peux déjà entreprendre le ton parapluie, je te taquine. On y va, ciao Saiwa, tu devrais arrêter d'être sur la défensive des Crips. Des Crips, toi. Ah, mais c'est pas son mec. Ça va te faire des rides sinon. Oh ta gueule. Avec tes petites Miss Fashion là. Tes mouches. Enfin, encore un peu plus. Je plaisante, c'est bon. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai ramassé mes affaires et j'ai remarqué qu'elle n'avait pas rendu mon parapluie. Cette fille a 2 ans, c'est sûr. Au loin, j'ai cru voir Béatrice et je me suis approchée d'elle. Ah non, c'est pas du tout la même personne. Je suis aveugle. Oui. Je sais pas. Il n'y a aucune ressemblance entre ces deux personnes. J'avais presque oublié que Clément était le frère de Béatrice. Ça doit être grâce à lui que tout le monde se connaît plus ou moins autour de moi. Eh, hey, ça va pas, tu as l'air désespéré. Et je m'y connais, on sort pas d'un cours de sport qui s'est terminé en retard et où on n'a pas pu surgir. Salut. T'as toutes les signatures dont tu avais besoin? Oui, oui, c'est pas ça le problème. J'ai pas trop envie de me plaindre de Mélanie et Béatrice encore une fois. Je suis un peu fatiguée, mais tout va bien. C'est rien de grave pour toi. Qu'est-ce que tu fais là, Clément? Je veux te tuer. Remettre quelques papiers ici. Il se pourrait que tu vois ce visage d'ange régulièrement et c'est d'ici l'année prochaine. Non, je me regrette. Je regrette de m'être inscrit à tous les clubs. Voilà. Yes. Tu veux venir à ce lycée? Il a fait une demande de dérogation. On a déménagé l'année prochaine. On a déménagé l'année dernière. Et du coup, il a été affecté au lycée le plus proche de chez nous. Et pourquoi toi, t'as pas changé? Mais attends, c'est pas son grand frère. Du coup, il est en terminale parce qu'elle est en première. Et du coup, l'année prochaine, il pourra pas venir. Bah, ce sera hors du lycée, putain. Allez, nique ta mère. Mais comme moi, j'étais déjà ici, je n'ai pas changé. Et ça a arrangé nos parents si on avait tous les deux au même lycée. D'accord. Je commence à me dire que ça m'arrangerait bien moi aussi. Pas moi. Tout le monde a l'air d'être hyper cool ici. Oh, ça sonne. Bon, ciao, Saiwa. Bisous, Clem, à ce soir. Je suis espagnole avec Mel, alors il faut que je me dépêche. Je vous dis salut aussi, je vais au secrétariat et puis je m'en vais. Et moi, je vais en cours, salut. Je vais aller au cours, je vous aime pas en fait.
Non, Josh, ça va, mais non. Salut. Je vais aussi vite que j'ai pu pour aller en cours. Oh. Dans ma précipitation, je me suis cognée contre Juliette sans le faire exprès. J'ai encore fait tomber mon sac. Je suis désolée, je t'avais pas vu. Non, non, c'est moi qui n'ai pas fait attention encore une fois. Je suis habituée à bousculer des gens. Excuse-moi. Pas de soucis, ça arrive. Elle m'a aidé à ramasser mes sacs. Merci beaucoup, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Et comme j'y ai perdu mon parapluie dans la précipitation, je n'ai pas envie de perdre autre chose. Pas de quoi, comment tu y étais prise? Mélanie m'a pris mon parapluie pour me taquiner et accessoirement oublié de me le rendre. J'avais pas fait attention que je l'ai pas croisé depuis. Alors qu'il est, il doit déjà être sur le bon coin. C'est Mélanie tout craché, elle m'exaspère. Bon, je fais attention à toi. J'ai un peu niqué la phrase, mais c'est pas grave. Une fois arrivée dans la salle de cours, j'ai été suivie par Rachel et Evan, qui revenaient de leur réunion. Et pas d'Emily en vue. Ça me surprend. Oh là là. J'ai évité de leur faire partager mes ondes négatives. Ils étaient tellement euphoriques d'avoir pu mener leur projet à bien. Et ils ont été ravis de voir mon nom dans tous les clubs juste après le leur. Ils m'ont remercié une dizaine de fois, je crois. Après la fin de la journée, ils sont retournés voir la CPE pour parler de je ne sais quoi. Rachel m'a convaincu de rentrer sans les attendre, comme il allait bientôt pleuvoir. D'accord. J'essaie de chercher Mélanie pour trouver mon parapluie, mais enfin. Et alors que je commençais à essayer à rentrer, il s'est mis à pleuvoir des cordes. À ce moment-là, je ferais mieux d'attendre Rachel et Evan. Avec un peu de chance, la pluie se sera calmée. J'ai eu un SMS à Rachel, je vais attendre ici. Salut Saïwa, tu es venu t'abriter de la pluie toi aussi? Ouais, j'attends mes amis qui ne devraient pas trop tarder. Viens t'asseoir avec moi, en attendant, je suis en train de dessiner. On s'est assis à une table et elle a commencé à gribouiller quelque chose en me demandant de ne pas regarder. Après 2 minutes, elle m'a montré son dessin. Oh, c'est nous! C'est pas super, mais j'espère que c'est ressemblant. Oh, merci beaucoup, c'est super bien fait. Bien sûr que c'est ressemblant, c'est vraiment génial. Ah, merci, tu peux le garder, ça me fait plaisir. Merci beaucoup! J'ai vite reçu un SMS de Rachel me disant qu'ils avaient fini. La pluie s'étant calmée, on a un peu discuté de nos journées avant de décider à rentrer. Et Mélanie m'a rendu, pour ne pas dire jeter, mon parapluie sans même s'arrêter. Ne me regarder ni dire un mot, rien de bien surprenant. Yes, rip. La journée était interminable. J'ai hâte d'aller me coucher. Dormir. Déjà ? Oh, ça passe vite. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 4. Parce que finalement, c'est des chapitres, moi j'ai des épisodes, mais c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye.